Bonjour Brune Bottero et Valérie Cussaguet. Alors vous êtes toutes les deux fondatrices de la maison d'édition Les Fourmis Rouges. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment sont nées les Fourmis Rouges? Nous étions toutes les deux au chômage. On se voyait de temps en temps, on s'était rencontrés, on avait déjà un petit peu travaillé ensemble. À un moment, les auteurs et les illustrateurs m'ont dit: mais enfin, pourquoi tu crées pas ta maison? Ce serait bien, tout ça. Moi, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine de l'édition jeunesse. J'avais pas du tout envie de faire ça seule. Et puis à un moment, l'idée est venue. Je me suis dit, mais pourquoi je propose pas ça à Brune, en fait, puisqu'on est toutes les deux en train de chercher du boulot. Moi, je trouvais aussi que c'était formidable, c'était important, très très important dans le paysage actuel d'avoir une communication très très forte. Je voulais pas travailler toute seule. Je savais que la com, c'était important. Et je savais aussi que c'était important qu'on ait chacune nos casquettes très différentes en fait. Du coup, Valérie s'occupe de l'éditorial. J'ai la casquette communication presse. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes métiers ni l'une ni l'autre. Et alors pourquoi le nom des fourmis rouges? J'avais envie d'un nom qui soit pas, qui puisse à la fois évoquer la jeunesse ou l'édition adulte, qui soit pas niaiseux, parce que les fourmis, le fait que ce soit féminin, c'était assez intéressant. Il y a l'idée de la chaîne du livre. Ces fourmis travailleuses, minutieuses, à l'image aussi du travail du livre et de l'édition, qui sont toutes seules, ne font pas grand-chose, mais les unes ensemble avec les autres réussissent à faire du gros travail. Maison d'édition sans les auteurs et sans les illustrateurs n'existe pas. Il y a cette idée que il y a une espèce de fourmilière autour des bouquins, il y a aussi des libraires, il y a toute cette chaîne du livre à laquelle on est assez attaché. Et puis rouge quand même, parce que rouge ça évoquait aussi quelque chose d'un peu piquant, d'un peu mordant, qui nous plaisait bien dans la littérature jeunesse, qui se doit d'être un peu acide. Est-ce que cette idée de que les livres doivent plaire autant aux enfants qu'aux parents, aux adultes, c'est une idée que vous avez envie de défendre justement dans votre maison d'édition? Oui, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Ce que je pense, c'est que le plaisir qu'on prend à lire un livre à un enfant, il passe. C'est-à-dire que si on s'ennuie profondément, il manque une dimension au livre pour la jeunesse. Voilà. Et ce plaisir de la lecture, on le passe un tout petit peu moins bien si nous-mêmes on s'ennuie. Donc voilà. L'idéal, mais c'est compliqué de le réussir, l'idéal c'est de faire ce qu'on appelle des livres à tiroir, c'est-à-dire des livres où il y a un premier degré de lecture, un premier niveau de lecture, et puis ensuite, petit à petit, l'enfant va grandir et puis il va découvrir en lisant au fil des années des lectures différentes. Voilà. Quelques titres de littérature jeunesse qui ont pu vous marquer pendant votre parcours, ce seraient lesquels? Bah, le maître absolu pour moi, c'est Tommy Ungerer. Justement parce que une espèce de entre son travail pour les adultes, son travail pour les enfants. Alors, Dieu sait s'il y a un monde entre les deux. Et des soucis pour avoir fait des choses qui étaient vraiment pour les adultes. Et moi, c'est ce que j'aime. Je pense que son travail, ce qu'il fait pour les adultes, nourrit totalement son travail pour les enfants. Et il y a une extrême liberté dans ce qu'il fait. C'est drôle, c'est truculent, il s'interdit rien et ça parle aux enfants aussi, enfin je veux dire très très fort. Mais très précisément après, il y a eu un moment, il y a eu la rencontre avec Jojo Lamache d'Olivier Douzou, voilà, qui pour moi est important. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'édition jeunesse. Moi c'est plus lié à des lectures d'enfants. Je pense à Chien bleu de Nadja, qui est sorti quand je devais être toute petite et qui a été vraiment un album de chevet pour moi. Un livre qui m'a complètement fascinée, toujours, parce qu'il faisait un petit peu peur, parce qu'il était rassurant, parce qu'il y avait une musique aussi dans le texte. Et pour moi, c'est un album réussi parce qu'il y a une vraie histoire, il y a quelque chose. J'aime bien l'idée que ça fasse peur, il y a une image qui est terrifiante en fait dans ce livre et que même en tant qu'adulte, on peut voir en étant un petit peu, en frissonnant un petit peu. Je trouve ça très fort. Et sinon, parmi les auteurs et illustrateurs que j'admire beaucoup, il y a par exemple Kitty Crotter qui a voilà, ce don rare de savoir écrire aussi bien qu'illustrer et de faire les deux voilà, dans des albums qui ne ressemblent qu'à elle, en fait, qui sont très personnels. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques-unes des dernières ou des futures paritions des Fourmis Rouges que vous avez envie de nous montrer? Un livre d'Alexandra Huard et Béatrice Fontanelle qui s'appelle Je suis la Méduse. En fait, c'est assez drôle parce qu'on a sorti deux livres au mois de juin.
qui se ressemblent énormément, même s'ils sont graphiquement, ça n'a strictement rien à voir. Mais ils parlent tous les deux de cette espèce de conte écologique, en fait. C'est le point de vue d'une méduse, voilà, qui raconte sa rencontre avec une petite fille, voilà. C'est un livre qui est à la frontière du documentaire et de l'album, parce qu'on a une langue, Béatrice Fontanelle maîtrise vraiment une belle langue, très poétique, très lyrique. Et elle aime cette frontière-là. Elle aime être juste là, ouais. Sur le bord, comme ça, entre les deux. Elle aime beaucoup ça. Et là-dessus est venue Alessandra Huard pour se complètement sublimer avec des grandes illustrations à l'encre et à l'aquarelle. Pour la méduse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre en quatre couleurs. Et il y a une cinquième couleur qui n'est posée qu'aux endroits où il y a la méduse. Anton Fuot qui fait des images qui ressortent particulièrement. Et donc Martha était là d'attaque. Alors, typiquement, voilà, c'est quelqu'un qui travaille. A priori, il ne travaillait pas du tout pour les enfants. L'édition pour la jeunesse présente un espace de liberté incroyable. Donc c'est la possibilité pour des artistes, pour des auteurs, pour des illustrateurs, la possibilité de s'exprimer dans un cadre très ouvert. Martha, c'est une histoire incroyable et c'est une histoire réelle. Donc là aussi, c'est un animal qui parle. C'est un oiseau. La dernière représentante de l'espèce, c'est une histoire donc réelle, assez édifiante sur ce qu'on peut faire et comment on agit sur la nature en très peu de temps, sans mesurer forcément l'impact qu'on a sur les autres êtres avec qui on partage cette planète, quoi. Et évidemment, avec les images sublimes d'attaques. La rentrée des fourmis, comment elle s'annonce ? Elle s'annonce riche et variée. Un grand album de Delphine Jacquot, un grand album d'Emmanuel Houdard, un livre un peu ovni à la frontière du roman graphique, de l'album, du grand album, du conte, qui s'appelle Ernie Gezebrel, par un auteur et une illustratrice qui sont complètement nouveaux. Une petite série de Matisse et Aurore Petit sur un pou, pour les tout petits, très drôle. Un petit livre de Delphine Perret qui s'appelle Bjorn, 6 histoires d'ours. Ouais, Bjorn, c'est un personnage formidable, un personnage qui existe, qui est là. Ça, c'est le talent de Delphine aussi, c'est-à-dire qu'elle fait vivre des personnages avec deux yeux, deux petits traits, et puis pouf, ils sont là, ils ont une vie intérieure, ils ont des désirs, ils ont des ressentis, ils existent, voilà, tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous.